Bonjour, bonjour, bonsoir. On va faire un petit saut dans le temps. L'idée était justement de se décaler un petit peu des exposés de l'après-midi pour aller voir ce qui se passait à une époque bien antérieure, qui par ailleurs, donc la société antique, disons, hein, qui, bon, par ailleurs, s'inscrit dans notre histoire occidentale. Donc, c'est un ailleurs dont on vient, donc, qui est intéressant aussi à ce titre-là. Le contexte, c'est une société très inégalitaire, bien sûr. Hein, les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes. C'est une société qui compte d'autres inégalités que les inégalités entre les deux sexes, bien sûr. C'est aussi une société très guerrière. Les cités antiques passent leur temps à se faire la guerre, donc la guerre est omniprésente dans l'Antiquité. Donc là aussi, on a ces points de communs avec les exposés qu'on a déjà entendus. Et donc, moi, ce que je vais vous proposer, c'est un exposé assez court sur une activité particulière dans cette société inégalitaire et guerrière. À savoir l'activité philosophique, qui est une activité donc dominée très largement par la présence d'hommes philosophes à l'intérieur des écoles antiques, mais où tout de même on peut remarquer une présence des femmes un peu plus importante que dans d'autres secteurs d'activité comme le commerce, la guerre, l'activité politique, donc les grands secteurs de la vie dans une cité antique. Donc on peut dire que les femmes ont eu un peu plus de place dans les écoles philosophiques qu'ailleurs, et c'est ça que j'aimerais interroger. Décrire d'abord brièvement, puis vous proposer une interprétation possible de cela. Alors si on pense aux femmes philosophes dans l'Antiquité, il n'y a pas énormément de noms qui viennent à l'esprit. La plus célèbre est peut-être Hypatie, parce qu'il y a eu des films qui lui ont été consacrés, une philosophe platonicienne du 5e siècle après Jésus-Christ. On peut aussi penser à une biographie antique de Pythagore qui énumère une vingtaine de noms de philosophes femmes pythagoriciennes. On peut citer aussi Hipparchia, la femme du philosophe cynique Cratès, qui était connue pour son adhésion active à l'école cynique. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de noms qui nous viennent à l'esprit. Il y a eu un travail collectif initié au début des années 80 par Marie-Hélène Waite, qui a produit une histoire des femmes philosophes en 4 volumes, et le premier de ces volumes est consacré aux femmes philosophes antiques. Et ce livre, donc une référence dans le domaine, s'appuie lui-même sur l'ouvrage d'un ouvrage plus ancien, l'ouvrage d'un grammairien français du XVIIe siècle, Gilles Ménage, qui a publié en 1690 une histoire des femmes philosophes qu'il menait donc du VIe siècle avant Jésus-Christ au VIe après, à peu près, donc sur un millénaire. Alors sur cette période-là, Ménage dénombre 65 femmes philosophes qu'il classe par école. Donc il y a des platoniciennes, des aristotéliciennes, des stoïciennes, etc. Et lorsque cet ouvrage français a été redécouvert justement dans les milieux féministes dans les années 80, il a servi de base à justement des investigations plus poussées sur ces personnages peu connus. Et actuellement, donc la recherche sur les sources antiques en général a produit en France un dictionnaire des philosophes antiques, donc une autre entreprise collective qui a été commencée dans les années fin des années 80 et qui n'a que sensiblement augmenté les chiffres ou les cas répertoriés, puisque des présocratiques à la fin du néoplatonisme, en incluant les auteurs chrétiens, on arrive à peu près aux chiffres selon lesquels sur 30 philosophes, vous avez une femme. Alors, ça n'est pas beaucoup, ça n'est pas non plus rien. Personnellement, moi, je m'attendais à moins que ça quand j'ai découvert
ces chiffres. Et donc j'aimerais faire un petit peu des remarques sur ces données que l'on peut extraire de ce dictionnaire des philosophes antiques. La première remarque qu'on peut faire, c'est que on note la présence de femmes dans toutes les écoles philosophiques de l'Antiquité. Autrement dit, il n'y a pas de courant philosophique qui exclut ou au contraire qui inclut les femmes. On en trouve chez les pythagoriciens, comme je l'ai dit, on en trouve chez les cyniques, chez les mégariques, chez les platoniciens, chez les aristotéliciens, les stoïciens, les épicuriens, les néoplatoniciens. Donc il y a une certaine présence de femmes philosophes à peu près dans tous les courants de l'Antiquité. Sachant que l'activité philosophique dans cette époque-là est très fortement corrélée à l'existence donc d'écoles, hein, c'est-à-dire de groupes qui sont affiliés par une doctrine commune autour d'une figure centrale. Hein, c'est un rapport de maître à disciple assez fort. Ce qui fait que même pour les femmes philosophes dont on ne trouve pas de traces de l'appartenance scolaire, hein, on peut supposer qu'elles étaient néanmoins affiliées à telle ou telle école. Donc, premier point, on peut admettre que l'activité philosophique des femmes se rencontre dans toutes les écoles antiques. Deuxième question qu'on peut poser sur ces données, est-ce que les femmes paraissent avoir développé une activité philosophique différente de celle des hommes, par les thèmes étudiés ou par une méthode ou un style au sein de ces écoles ? Majoritairement, il semble que non. On peut, par exemple, les témoignages sur la néoplatonicienne Hypatie, hein, qui est une de celles sur laquelle on a le plus de documentation, y compris des extraits d'œuvres. Ces témoignages font état d'un enseignement et d'une recherche qui sont conformes à ceux de n'importe quel philosophe néoplatonicien de son époque. Donc il n'y a pas de thème ou de démarche spécifiquement féminine, disons. La seule école, et donc ça on peut le constater dans les autres écoles aussi, à l'exception peut-être des pythagoriciens, puisque d'après les titres d'ouvrage, hein, puisqu'il faut bien voir que de façon générale, hommes ou femmes, les philosophes antiques sont des gens qui ont écrit des choses qui ont disparu, hein, qui ont été perdues. Mais donc à ce qui reste, il semble que les titres d'ouvrage, certains titres d'ouvrage dus à des pythagoriciennes montrent des tentatives pour appliquer des principes généraux de l'école pythagoricienne, hein, par exemple l'importance des nombres, de l'harmonie, à des questions plus spécifiquement liées au domaine traditionnellement dévolu aux femmes dans l'Antiquité, c'est-à-dire la sphère domestique. Hein, dans l'effort pour faire une théorie pythagoricienne d'activité liée à la sphère domestique. Mais ça reste un cas isolé. Dans toutes les autres écoles, la participation des femmes à l'activité philosophique, comme celle des hommes, consiste à transmettre une doctrine qui est relativement homogène sans une détermination genrée, soit des objets, soit du style de la recherche. Troisième point qui paraît assez notable, et là encore, c'est que avec les femmes philosophes se vérifie un trait qui est également attesté pour, disons, leurs homologues masculins. Et qui est que la philosophie dans l'Antiquité est souvent, je dirais, une affaire de famille. C'est-à-dire que, à de rares exceptions près, toutes les figures féminines recensées, par exemple, par ce dictionnaire des philosophes antiques, ont des liens de parenté avec un philosophe de sexe masculin. Donc c'est la sœur, ou l'épouse, ou la mère, ou la belle-fille. Hein. Et donc ce sont des relations familiales, ou en tout cas des relations privées, qui permettent à une femme d'accéder à un enseignement philosophique, hein, donc d'être disciple dans une école, et à devenir active dans cette école
jusqu'à devenir par exemple chef de l'école, hein, puisqu'il y a des successions où un chef d'école masculin est remplacé par un chef d'école qui est une femme. Et cela dans toutes les écoles considérées. Je souligne, ça me paraît important, que ce caractère familial, disons, des relations dans l'école est particulièrement marqué pour les femmes, mais il n'est pas spécifique aux femmes. Hein, c'est-à-dire que les successions ou les affiliations, y compris pour les hommes, sont très souvent liées à des relations soit amicales, soit familiales. Hein, c'est souvent le neveu, le cousin qui prend la suite, ou le fils qui prend la suite dans le cas de succession d'homme à homme. Donc il y a, je dirais, une dimension familiale de l'école philosophique antique, hein, qui est particulièrement marquée dans le cas des femmes philosophes, mais qui n'aurait pas réservé. Et c'est quelque chose qui peut être lié aussi à une dimension domestique de ces écoles, puisque contrairement à nos institutions, nos instances de formation, les écoles antiques, je dirais, supposent une vie quotidienne commune, hein, des repas pris en commun, parfois une résidence commune. Ce sont aussi des groupes, enfin les écoles se perçoivent comme des associations qui sont réunies autour d'une figure magistrale et qui sont réunies autour de cette figure magistrale par des liens qui ne sont pas simplement des liens doctrinaux, mais aussi des liens familiaux et amicaux. Hein, donc c'est ce que j'appelle une sorte d'économie domestique de l'école philosophique dans l'Antiquité. Et donc, il me semble que cette dimension domestique, amicale, familiale, a un lien avec le fait que la philosophie ait été une activité à la fois intellectuelle, culturelle et sociale, où les femmes ont occupé une place, je dirais, comparativement plus importante que dans d'autres secteurs d'activité de la cité antique, hein, ou plus tard de la ville romaine. Alors pourquoi est-ce que ça me paraît important? Disons que l'espace public dans les sociétés antiques, que ce soit la cité grecque ou la ville romaine, c'est un espace public masculin. Et on peut dire qu'en gros, la société ancienne se caractérise par deux pôles. Il y a d'un côté le pôle de ce qu'on appelle en grec la polis, donc la cité, qui est, pour reprendre une formule de Vidal-Naquet, un club d'hommes. Et de l'autre côté, il y a le deuxième pôle, qui est le pôle de l'oikos, de la maison, qui délimite la sphère féminine. Et donc l'intérieur et l'extérieur sont deux coordonnées de la représentation de l'espace social extrêmement puissante dans l'Antiquité, hein, pas que dans l'Antiquité d'ailleurs, mais en tout cas très très puissante dans l'Antiquité. Et par beaucoup d'aspects, l'école philosophique, c'est un lieu qui transgresse cette partition entre le dedans et le dehors, entre l'oïkos et la police, hein, c'est-à-dire que l'école relève de l'extériorité de la vie publique, hein, on y enseigne, on vient s'y former, généralement les philosophes ont l'ambition d'influencer par les gens qu'ils forment la cité elle-même, donc c'est pas un espace clos, mais cette école se construit aussi autour d'une sorte donc d'économie qui ressemble plutôt à une économie domestique et parfois même quasi familiale. Donc c'est une entité qui, dans l'espace extérieur de la cité, se structure comme une sorte d'intérieur domestique, hein, donc comme une maison, hein, comme une oikos. Ce qui fait que l'école a une organisation qui la fait partiellement échapper à la grande division genrée de l'espace qui structure les sociétés antiques comme d'autres par la suite.
Et il y a en particulier, je ne vais pas le développer ici, mais il y a en particulier, il y a un philosophe qui me paraît offrir de quoi appuyer cette hypothèse, cette liaison entre la capacité qu'ont eu les femmes de devenir actives comme philosophes, voire chefs d'école, et le statut particulier de l'école comme lieu social dans la cité. Ce philosophe, c'est Platon. Alors, Platon était misogyne, on le trouve dans ses textes comme la plupart des hommes de son époque, hein. Mais donc il se fait l'écho d'un certain nombre de poncifs. Mais on peut, il y a pas mal d'éléments dans sa philosophie hein, qui ont conduit certains de ses lecteurs à soutenir que s'il y a un philosophe féministe avec des guillemets dans l'Antiquité, ça pourrait bien être lui. Donc je vous rappelle simplement quelques traits qui peuvent accréditer cette thèse. C'est un philosophe qui propose dans son projet politique de donner la même éducation aux filles et aux garçons, aussi bien comme éducation intellectuelle que comme éducation sportive. Ces considérations étant égalitaires, disons, étant réservées à la classe dirigeante, ça se fonde sur une autre inégalité. Il propose de libérer, concernant cette classe dirigeante, les femmes des tâches domestiques et du soin des enfants, ce qui est quand même assez remarquable. Il affirme que les femmes et les hommes ne diffèrent en rien. Le seul élément de différence, c'est que les femmes enfantent, mais c'est vraiment l'aspect biologique de la grossesse et de l'enfantement qui est retenu, puisque pour la suite, il propose de ne pas les confiner aux soins domestiques et aux soins des enfants. Et un autre élément assez remarquable, c'est que le terme grec qui signifie citoyen, politesse, évidemment, c'est un substantif qui a un féminin, mais qui n'est jamais utilisé. Et donc Platon est le seul auteur de l'Antiquité qui utilise le mot politesse au féminin, qui parle des citoyens et des citoyennes. Hein. Alors que chez les autres auteurs de son temps et au-delà, les hommes sont dits citoyens et les femmes reçoivent une autre désignation qu'on pourrait traduire par citadine, hein, mais c'est pas le même, c'est pas du tout le mot au sens politique qui leur est appliqué. Hein, tandis que chez Platon, on trouve remarquable par sa rareté, hein, citoyen employé au féminin. Or, cet auteur, me semble-t-il, on peut articuler ce féminisme hein, platonicien avec une autre singularité de sa philosophie, qui est qu'il a développé une conception de la cité idéale qui est justement construite sur une destruction de la frontière traditionnelle entre ce qui relève de la police, de la cité, de l'espace public extérieur, ouvert, et ce qui relève de l'oikos, de l'espace privé, domestique, intérieur. Une des caractéristiques de son projet politique, c'est de faire disparaître tout simplement cette distinction, cette opposition. Donc, de manière assez provocatrice d'ailleurs, hein, il propose de structurer l'espace social sans le plier à cette division traditionnelle. Et qui était évidemment tout à fait en place hein, et structurante à son époque. Donc moi je suis tentée de mettre en lien ces deux aspects, hein, l'auteur qui a fait le plus de propositions égalitaires entre les hommes et les femmes, même si ça ne valait que pour une certaine classe sociale, c'est aussi l'auteur qui a remis en cause cette partition de l'espace public. Donc la proposition ou l'hypothèse que je fais, hein, c'est que si dans l'ensemble des activités majoritairement masculines développées dans l'Antiquité, à savoir la guerre, la politique, le commerce, mais aussi l'art, le théâtre, hein, donc toutes activités où les femmes n'avaient pas de rôle. Donc parmi toutes ces activités, si la philosophie est peut-être celle où les femmes ont eu une place
plutôt remarquable par rapport aux autres secteurs. Ça n'est pas parce que leurs collègues masculins étaient plus progressistes que les autres. Hein. Quand vous lisez n'importe quel auteur philosophique de l'Antiquité, vous allez rencontrer les pensifs que vous pouvez attendre. Ça n'est pas non plus parce que la raison serait universelle et non genrée, hein, ou parce que l'amour de la sagesse serait moins producteur de discrimination sexiste que le commerce ou l'ardeur pour la guerre. Mais il me semble qu'un facteur plus important, hein, c'est cette place très spéciale, hein, que les écoles et les cercles philosophiques ont occupé à l'intérieur de l'espace social tout au long de l'activité, de l'Antiquité, parce que c'est vraiment quelque chose qui, cette structuration d'un espace de type domestique et néanmoins ouvert sur la cité, c'est quelque chose qui reste une constante à travers les différentes écoles philosophiques et à travers les différents siècles de cette période tout de même très 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 longue. Donc un espace, un lieu dont le genre n'est pas assignable selon les coordonnées traditionnelles de ce qu'on pourrait appeler la localisation sociale des sexes. Donc c'est peut-être pour cela que la philosophie a créé un lieu où les femmes ont pu, même si elles n'étaient pas très nombreuses, hein, occuper une place équivalente à celle des hommes, et même donc être chef d'école, ce qui est quand même tout à fait remarquable. Donc, ça peut recouper d'autres distinctions, hein. On a parlé du front et de l'arrière, donc là c'est l'intérieur et l'extérieur qui est coordonné très courante en fait des sociétés. Il est clair là que cette place particulière des écoles joue un rôle dans une promotion, disons, de la philosophie comme activité potentiellement égalitaire. Voilà, je maintiens à ces quelques remarques et je pense que je peux passer à la discussion.